trop joli. Oh, t'as tombé, là. Ça fait un petit bébé, pas c'est Jacques qui a plus de poils, il va vous raconter ça. Fait que là, Jacques, veux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec tes poules? Les poules, il n'y a plus de poules. Ils sont tous partis. Je sais pas s'il y a un ciel pour les poules. Pas droit. Hein? J'ai écrit dans la Bible que c'est un purgatoire, un ciel que tu non. Ils sont partis à la rôtisserie? Non. Non. Non, mais non, veux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, genre, que, par rapport à tes poulets? Ouais, je suis arrivé un matin ici, puis j'ai ouvert la porte du poulailler, ça cracassait pas. J'ai dit, moi, on prend dedans, ils vont pas sortir encore. Je m'en vais en dedans, j'ouvre la porte. Je voyais des poules, pas de coups. À terre, là, les pattes d'un air, il n'y avait pas de cou. Il y avait qu'un. À terre, ils avaient laissé le petit morceau de bec. Ils ont juste mangé le cou. Ils ont trouvé la ouvert la bédaine. Ils ont mangé les tripes. Ils ont tout laissé la bonne viande pour les affaires. Ça m'a coupé le souffle bien raide avec mes 12 poules. Il m'en restait juste 3 vivants. Ils sont venus chercher. Hein? Ils sont venus manger les autres. Bien, les 3 autres, j'ai des amis qui ont des poules. Je voulais leur donner, mais il n'y avait pas le temps de venir. Puis Gabriel, un de mes amis, il me dit à côté de chez moi, il y a une fille, moi, tu avais ça parental, là. Monoparental. Il y a plusieurs enfants, puis ils ont 1-4 poules. Et il dit, tu vas les donner. Bien, il dit, apporte-les, donne-y. J'ai donné ma moulée qui me restait. Puis... Il était tellement nerveux, ces poules-là, là, il ne fermait même plus les ailes. Tu sais, ça parle de ma poule. Ah. Donc, peu de il était stress sur le stress. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont mangé en fin de compte? Ben, c'est tout. Nommez-moi des bébés. Ils ont donné. Hein? Des coyotes? Non. Des renards? Non. Des belettes? Non. Raton laveur? Oui. Ah ouais? Justement, mon fils m'a appelé à l'heure du midi, puis il dit, papa, viens droit dans un journal, l'Estrie, puis la Montérégie, les ratons laveurs, ils ont la rage. Il y en a qui ont la rage. Puis ils disent que s'il y a de quoi qui se passe anormal, appelez-nous. Je ne le savais pas, moi. Je l'ai poigné dans une cave. Je ne voulais pas le tuer. J'ai été le dompé à peu près 5000 d'ici dans la forêt, là, tu sais. Puis il grognait. Méchant garçon. C'est mauvais, ça. C'est très mauvais. Tu tues ça. Non, non. Pourquoi tu tues ça? Faut qu'il gagne, faut qu'il mange, faut qu'il gagne une vie. Hey. Quoi? Tu tues ça, ces cochons. Vous avez de la faim ou quand vous m'arrêtez plus de bledin, si le coton viendrait et vous fouetterait le coton? Hein? Hein? Vous avez de l'air intelligent? Non. Il m'a regardé dans les yeux. Fait que là, t'as pogné raton. Il a fait mourir, il meurt. C'était-tu un jeune? Ben, je sais pas, je connais pas ça, mais j'ai une photo. Ah, t'as une photo, ouais. Fait que là, t'avais installé un piège avec qui? Avec mon voisin, le gardien, ici. Ouais. Le lendemain, on a eu l'attaque. Ouais. On a pris un morceau de poule, on l'a mis dedans, puis on a mis la cage dans le poulailler. Quand on est arrivé le matin, il était coincé dans la cage. Regarde le cochon, parce qu'il m'a fait. Ah, il t'a mordu là? Non, il m'a mordu le doigt, mais moi, j'ai pas donné un coup. Ah, ok. Ah, ouais. D'ailleurs. En tout cas, vous allez voir la belle petite bébite. On peut pas tuer ça, voyons donc. C'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est pas moi. Moi, je fais pas aller chercher mes photos. Tu vois-tu mes photos là-dedans? Oui, ici. Allez pas. Ne voyez pas les petits garçons. Pépé, il va trouver ça. Non, pas celui-là, on ne le voit pas bien. On le voit un peu dans non, la cave. Non, on ne le voit pas bien. On voit qu'il est gris. On voit mieux que ça, là. Ah, ouais, regarde-moi ça, toi. Comment t'appelles ça, ces bébés-là? Raton laveur. Là, je le vois bien. Là. Ah, ouais. Penche-le un petit peu. Penche-le. Ouais, comme ça. Ah, c'est lui, le malfaiteur. Ouais, là. C'est un vrai bandit. Non. C'est une petite bébite qui a faim. Ouais, mais c'est un bandit pareil. Mais tu sais, il y a un masque. Elle a trouvé un petit vieux qui se pensait bien fin. Ouais, c'est ça. Elle a trouvé un petit vieux qui se pensait bien fin pour protéger 12 poules. Même pour elle protéger 12 poules.
sinon. J'avais vu la faiblesse, là, hein? Mais gars, mon petit-fils, il me dit, papa, il dit, papa, on devrait regarder ça, ils vont passer par là. Ah, j'ai dit, papa, il est trop fatigué. Je vais te donner. Là, on va vous montrer ça. Et puis, tu sais, j'ai pas écouté mon petit-fils. Mais je suis content, ils m'ont pas dit, hey, papa, je te l'avais dit. Quelqu'un est arrivé, soit moi ou mon voisin, il vient tout le temps faire une ronde. Mais je veux dire, ils ont été chanceux, ces trois poules-là. Ouais, mais ils ont été stressés aussi, hein. Comprends. T'avais avoir peur, hein? Ouais. Effrayant. Ça, hey, ça, c'était plein de plumes. Comprends. Ici, c'était plein de plumes, puis là-dedans, c'était plein de plumes. Ouais. Mais toi, tu l'as poigné dans le poulailler, le raton? On a mis ça dans le poulailler. Ah ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire dans le fond de ça? Ça. Ouais, tout. Fait que là, on est en deuil. Plus de poules, plus d'œufs. Ben ouais, M. Martin est en deuil, il a perdu ses sœurs. Ouais. Une chance, il y a une grosse famille, hein? Une chance, il avait une grosse famille. Ben oui. Non, mais il était fine, ces poules-là, hein? Ouais. Ben ouais, il était belle, certain. Oh, poule. Hein? Elle devait être triste, ces poules. Ouais, ouais. C'est pas drôle. Ouais. Et là, ici, là, quand j'ai arrivé le lendemain, là, les poules ont vraiment ouvert la boule. Les trois vivantes, là, ils étaient en deuil. Ça ne parlait pas. Ah oui. Puis même aujourd'hui, les poules, ils parlent tout le temps, hein? Oui. J'arrivais ici, puis il y avait un petit bruit de fond, là. Tu sais, ça, ça, ça se parlait. Là, je rentre ici, puis les cochons, c'est pas des bavards, ils parlent pas, ils mangent d'eau. Mais les poules, ça fait que ça, là, tu sais. Ah puis... oui. Ah oui, puis j'ai tassé, parler. Ouais. Ouais. Alors, on n'a plus d'œufs. C'est fini. On n'a plus d'œufs. Fini, les cocos. Pauvre Jacques. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Si Dieu veut. Ben, ça vaut pas la peine que j'en prenne tout de suite. Parce ben non. Que l'automne s'en vient, puis je vais pas chauffer une cabane pour des poules. Ah. L'année prochaine, si Dieu veut. J'ai été pour en acheter, puis ils peuvent pas en avoir là-bas. C'est la prochaine groupe qui va y avoir de pondeuse, ça va être à fin de août, début septembre. Non, c'est trop loin. Bon. Fait que c'était l'histoire de Jacques et ses poules. Une triste fin. Ça me fait penser, quand j'allais à l'école, et du monde, à vouloir étudier ça, vous, Perrette, elle n'a pas tout lait. Il nous faisait apprendre ça par cœur. Puis la dernière, elle dit, elle s'est enfargée, elle comptait tous ses œufs. Adieu, elle avait rêvé que ça en allait au marché vendre ses œufs, avec ça, elle rachetait ci, elle rachetait ça. Puis elle a dit, adieu, poule, vache, cochon. Oui, adieu, poule, vache, cochon. Toutes ses œufs, t'as cassé, elle ne peut plus rien vendre. Elle a appris ça par cœur à la petite école. Ça me faisait penser à ça. Ouais, ouais, ouais. Adieu vos vaches cochons pour le couver. Mais là, je vous en achetez d'autres, vous ne les mettez pas là. Hein? Oui, oui, mais il va changer la clôture, là. Hein? Je vais mettre une clôture plus forte. Je vais mettre une clôture de ciment. Ben oui. Un jour. Là où sont mes trois poules, là, ils sont dans un étable. Dans une étable, on va garder ça pour l'hiver. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais ah, okay. ils peuvent tout ranger ça et tomber là. Je ne sais pas s'ils peuvent faire ça. Je ne penserais pas. Non? Je ne penserais pas. C'est tressé quand même assez serré, ça. Ouais. Je ne penserais pas qu'ils couperaient ça avec leurs dents. Ils l'ont levé, regardez. Ils l'ont levé. Oui. Ça, c'était enterré sur ta tête de chemin de fer, là. Mais oui. Ils ont essayé de creuser là, regardez. Là, ils n'ont pas pu rien faire. Ils ont venu trotter ici. Puis... Ouais, mais d'après toi, ils n'étaient pas tout seuls. Non. Il ne faut pas faire tout ça, là. Non, hein. Non. T'sais, pas lui, Paul. J'ai retrouvé juste... 5 carcasses. 5 carcasses? Il y en a au chaurier, là. Parce t'sais. Que là, toi, il t'en restait 11. Ouais. T'en as resté 3, ça faisait 8. Ça veut dire qu'il en restait 3 carcasses que t'as pas retrouvées. C'est de valeur, ouais. Quand même. Hein? C'est de valeur. Ouais. La première carcasse, je l'avais retrouvée là-bas au bout pour aller. Ouais, ça, tu, j'étais avec toi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, d'abord, c'était peut-être une famille de ratons d'abord. Peut-être une famille. Et ils ont coupé avec ta tête, puis ils ont grugé avec les intestins. Mangé le coup. Le cou? Mais ils ont mangé le cou et la tête, puis ils ont laissé le bec. Ben, ils seraient revenus. Puis après ça, ben oui. Ils seraient revenus. Ben, ils l'ont ouvert, puis ils ont vidé. Tu sais, il y a des œufs hein, dans une poule, un chapelet. Ah, ouais. C'est un chapelet, là, tu sais. Oui. Ouais. Des gros, des petits œufs. Ah, ouais. Ouais. Ah, ils ont mangé ça. Tout cliné ça. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un chapelet dans. Ouais. Ah, oui. Ah, ouais. Oui. Ah, oui. Eh bien. Puis tu dis dans le chapelet. Ouais. Il y a une dizaine de. En dedans, les œufs qui sortent aujourd'hui ont été commencés peut-être 10 jours avant
Mais ils grossissent. Mais pendant ce temps-là, ils en repartent des petits. Fait que ça fait comme un chapelet. Ben, Jacques, tu m'en apprends une bonne. Je savais pas ça. Ouais. Je connaissais pas ça. Ouais. Toi, tu as entendu parler de ça? C'est bon. Le chapelet dans une poule. Un rocher. Le chapelet dans une poule. Un rocher. Un rocher? Là, quand c'est un chapelet, un rocher, c'est pareil. Là. Ouais. Tu savais ça, Jacques, Gilles? Oui. Ben moi, quand j'avais 5 ans, c'est moi qui t'en avais. Oui. Ah, ben là, moi, je savais pas ça. Tu tenais un paquet, là, quasiment comme un... Comme un carte d'or. Quasiment comme les choses de grenouille. Une carte de raisin, si vous voulez. On appelle ça un chapelet. C'est ça qu'ils appellent le riz? Le riz? Non, pas le riz, non. Moi, j'ai appris ça quand j'avais 5 ans. C'est moi qui tenais la poule, la tête sur la bûche. C'est mon père qui coupait. C'est ma mère qui ébouillantait au bord, côté plumes, puis elle ouvrait la poule, puis on voyait ça. Les petits ciseaux, plus gros. Oui. Je ranchais ça. C'est bien, je savais pas ça. J'apprends une bonne aujourd'hui, moi, là. Oui. 57 ans, puis j'apprends ça. Ça commence gros comme un épingle. Ouais, ah, ouais, ouais. Et puis, ça grossit. Et puis, ici, là, là, vous allez là. Puis, s'il y a trop d'espace, elle ne pond pas le lendemain. C'est ça. Des fois, elle saute un tour. Ah, mais c'était des bonnes pondeuses. Y a-tu des. Y a-tu des Je vous salue Marie là-dedans, puis des Notre Père, Gloire au Père? Je me demande le secret. Je ne me suis jamais caché dans la bédaine où elle s'y priait. On s'en va de là. Ouais, il disait des dizaines de chapelets. Tu lui donnes la poule, puis c'était plein de petits œufs de bain. Ah ouais? Ah, tu vois-tu, je savais même pas ça. Là, couché moyen à soir. Quand ils pondaient. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des journées qui pondent pas, il y a des espaces entre les œufs. Oh. Ça dépend de la nourriture. D'abord, c'est une chaîne de production, une poule. Quasiment. Oui. C'est pas une chaîne de production. Ouais. Fait qu'on sent que l'automne est à nos portes, hein? Oui. C'est une journée d'automne, là. Ouais, ouais, ouais. Hein? Moi, j'aime bien mieux quand c'est une température de même que je peux mettre un coat que quand j'ai pu rien ôter. Ouais, c'est sûr que c'est plus agréable. Hein? C'est moins chaud.